C'est pour montrer une petite vidéo, je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est vous ça? Ouais. Vous avez un copain là? Une copine. Une copine. Ah ben c'est trop mignon. C'est vrai? C'est la communion avec les animaux. Ça montre qu'on est encore un peu capable d'avoir un contact avec les animaux. Ben oui, les animaux sont dotés de sensibilité. On dit juste qu'ils sont mauvais. Quoi? On n'a pas l'odeur là sur la vidéo. Ah oui, mais rien que de le voir, hein, je sais qu'ils sont mauvais. Comment ça? Nous les musulmans, on les égorge pendant l'Aïd et on les mange. Ok. Et là, ça vous fait quoi quand vous voyez ça? Ça fait de la peine quand on l'égorge. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Ça fait de la peine quand on l'égorge. Mais dans notre tradition, nous les musulmans, on doit l'égorger. Vous êtes obligés? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et si je vous dis que ce mouton-là, c'était pareil pour l'Aïd, il devait partir pour être mangé? Ça fait un peu de la peine. Tant mieux, c'est déjà ça. Ah, bah, c'est sûr, ça fait de la peine. Et quand je mange de la viande, je pense pas que c'était un animal avant. Ouais. Sinon, je mangerais pas de viande. C'est con, on y était presque. Bah, en principe, il est fait pour, mais après, si on peut sauver les animaux, c'est mieux. En fait, c'est un mouton qui a été sauvé, et là, il vit chez moi, c'est moi là. Ouais. Et du coup, bah, elle va vivre jusqu'à la fin de ses jours heureuse. Ça serait bien que ce soit plus collectif, quoi. Alors, j'aime pas le mouton, mais ça me dérange absolument pas. Pardon? On puisse les manger même s'ils sont mignons? Ouais, ouais, moi ça me dérange pas. Donc, soit à l'appel, je vous aurais pas dit la même chose. Oh putain. Ah, c'est la force différente. Ouais, oh. Ouais. Pourquoi? Et à votre avis, comment on pourrait faire pour sauver plus d'animaux? Ah bah faut manger moins de viande, ça c'est sûr. Il y est presque. Faudrait que les gens ils prennent conscience que bah, qu'ils ont une vie et que faut en prendre soin. Bah sensibiliser les gens. Peut-être plus de gens comme ce monsieur, peut-être d'avoir des fermes. C'est moi là en plus. Ah, bah, j'ai pas mis lunettes, excusez-moi. Le débat aujourd'hui tourne autour de la place des éléments carnés dans l'alimentation. On a beaucoup le prétexte de dire qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé, etc. Et vous pensez que c'est vrai ou c'est faux cette histoire? Que ça a été vrai pendant longtemps. Aujourd'hui, on a les alternatives pour. Il y a plein de choses. Il y a des légumes, il y a tout. Et puis trop de viande, ça tue. Effectivement. Il faudrait mieux reconsidérer l'animal à sa juste valeur. Ah oui, oui. Il faut sauver d'abord les humains. Il y a trop d'humains qui souffrent. On peut sauver les humains et les animaux aussi. On peut être sensible pour tout le monde.